Bonjour, bonjour. Avant, je ne croyais pas que c'est possible qu'on te combatte. Tes combats vont augmenter. Pour une raison ou pour une autre, les gens vont se lever pour te combattre. Bonjour, ne me demandez plus comment j'ai dormi. Ah, c'est comment avez-vous? C'est toi qui m'as fait l'amour la nuit, je ne sais pas. Il y a des clichés qu'on vous a donnés dans la société. Hein. Vous prenez aussi ça seulement, vous demandez aux gens tous les jours. Comment vas-tu? Tu n'es pas le docteur, ne me demande pas. Bonjour. Bonne journée à toi. Bon réveil. C'est vous qui m'avez touché la nuit. Je pense que demander à quelqu'un comment il va, c'est entrer dans ça. Je n'ai pas encore vu, tu es dans un taxi, tu dis bonjour, il te dit bonjour. Bonjour madame, comment allez-vous? Ah vraiment, j'ai pas bien dormi. Il arrête le véhicule, il sort. Il dit madame, ça va, c'est le pied. Ok, je vais vous amener à l'hôpital. Ok, je vais payer les soins. Il va pas le faire. Il va pas le faire. Il ne va pas le faire. Ça ne sert à rien de me demander quelque chose que je sais que si je te dis, tu ne vas pas suivre. Comment tu vas? Ah, mon mari m'a quitté. Il m'a abandonné avec les enfants. Ah bon? C'est combien par mois que tu dépenses pour les enfants? Ça ne suit jamais. Donc je disais, merci de m'avoir demandé quand même, mais ne me demandez plus comment je vais. Ok. Je pense pas que c'est nécessaire. Regardez mon visage. Il va bien, non? Regardez. Il n'est même pas encore mis sur mon visage. J'ai bien dormi, non? Alors maintenant, dans ce qui est important. Bon. Le degré des secousses dans lesquelles vous êtes, il peut dire que c'est une dimension que vous n'avez pas connue avant. Les attaques se multiplient. Et on a vu les attaques qui venaient. C'est pour ça que, quelque part aussi, on vous a positionné là où vous êtes. Il y a quelqu'un qui se plaint que, wow, j'avais pas de papier ici, là, depuis. Donc, vous avez été positionné dans certains pays pour vous garder, pour vous préserver. TikTok, vous m'entendez?
Et cette préservation, c'était aussi pour t'activer. Donc, pour beaucoup d'entre vous, vos oreilles vont beaucoup démanger, les yeux aussi. J'ai un ami, ça fait 5 ans qu'on lui a dit d'aller rester dans une ville du Cameroun. Il allait à l'école, il a fini son cycle ingénieur en télécom. On l'a arrêté en quelque sorte. Renew, je suis sûr que tu n'es pas abonné sur ma page Facebook. Les gens de TikTok qui ne sont pas sur mon Facebook là. Quand TikTok ne marche pas, vous faites comment? Ça veut dire que vous ne me suivez pas. Je vais te bloquer bientôt, Renew. Tu as compris? Avec toutes les perturbations qu'on a eues, par la grâce divine, Facebook marche. Donc pour Facebook, tu n'as pas besoin d'un haut débit. TikTok, c'est le combat. Donc, quand il a fini, il se disait qu'il allait bosser dans une belle boîte à Douala, voilà. Ça fait 5 ans qu'il est au village. Kofi, bonjour. Ça fait 5 ans qu'il est au village. C'est quelqu'un que quand sa connexion, c'est un autre level. C'est un autre level. S'il ouvre sa bouche, il te parle. Il fonctionne qu'avec le spirit. Donc, pour certains d'entre vous, vous savez que je suis surqualifiée pour cet endroit. Et vous avez l'impression que, par votre propre force, ça ne se passe pas. Par votre propre force, ça ne se passe pas. Vous êtes sur un chemin. Bonjour, monsieur Moké. Tout a un sens. Mais parfois, le temps de Dieu peut faire 6 mois. Parfois, ça peut faire 6 ans. Parfois 40 ans. C'est à 40 ans que tu découvres qui tu es. Bonjour, monsieur Emmanuel. Comment tu vas, mon fils? Mon fils s'appelait Emmanuel. Donc, et vous allez comprendre, ça arrive. Delmas, bonjour. C'est comme si on t'avait voilé à la réalité. Ça, ce monde physique, si ce n'est pas la réalité. Hein. C'est pas ça qui est la réalité. C'est comme si on t'avait voilé. Oui. Et ce voile a été mis par l'ennemi. Avec la permission de Dieu. Pour que tu sois préparé. Vous savez que beaucoup d'entre vous, si on ne vous donne pas les bonnes instructions, si vous ne comprenez pas, vous allez vouloir avorter le processus. Bonjour, comment ça va petit oiseau? Ouh là là! Boum.
Dans ton ancienne vie, tu avais accumulé beaucoup de puissance. Dans cette vie, tu as choisi de te réincarner dans un corps, dans un village. Ton esprit n'a pas encore activé ta chair. Ce qui fait que dans la nuit, tu peux te voir en train de faire beaucoup de choses. Tu guéris les gens, tu fais comme ça, mais dans la journée, tu es seulement là. Tu vends dans un coin du quartier. C'est de la même façon aussi que les gens qui font du mal. Tu peux avoir une ménagère qui est sorcière négative. Mais elle n'a pas l'argent. La dimension de son corps pour l'instant, c'est juste de laver les habits des gens, laver les assiettes, laver le sol. Et ça n'empêche pas qu'elle ait les pouvoirs. Elle a les pouvoirs. Vous êtes... On va vous envoyer des gens pour vous préparer. Et certaines personnes comme moi en ligne vont vous enseigner. D'autres viendront avec les couteaux pour vous piquer. Ils vont vous poignarder. Et quand ils poignardent, la douleur va vous activer. Comme la femme accouche avec la douleur là. La douleur est inévitable. La trahison est inévitable. Vous suivez, non? Et je rappelle que personne ne te doit rien. Je sais que vous n'aimez pas la partie là. Mais mon père, il m'a accouché pourquoi? Il a mis le sperme dans le ventre de ta mère. Voilà la seule chose qu'il te devait. Le jour là, il a vu ta mère, elle lui a plu. Il a dragué. Voilà son devoir vis-à-vis de toi. Il a dragué ta mère. Bonjour Chantal. Oh, oh, mon père n'est même pas. Oh, oh, oh. Tu n'as pas besoin de l'amour de ton père. Laissez-moi les bêtises là.
votre esprit doit se réveiller. Beaucoup d'entre vous, vous dormez. Jusqu'à ce qu'on vienne voler la maison. Tu ne vas pas te réveiller. Votre esprit est trop endormi. Tu dors quoi? Tu dors quoi? Hey. De ta part, tu dors. Un temps de mouvement, tac, tu dors. Tu dors quoi? Je vais vous donner des éléments qui vont vous aider à activer votre puissance. Je vais vous donner des éléments qui vont vous permettre de vous activer. Vous dormez trop. Votre esprit est faible. Quand tu te lèves le matin, tu as oublié tout ce qu'on t'a dit la nuit. On te parle à 4 heures. Réveille-toi, tu pries. Réveille-toi, tu parles. Je dors, la bouche ouverte. La salive sort, ça passe sur l'oreiller. Imagine un soldat ou une mère qui accouche l'enfant. Elle dort plus que le bébé. Tu vas tuer ton enfant. C'est pour ça qu'il y a des missions qu'on n'a pas encore pu vous donner. Votre esprit est faible. Bonjour, Kumbasa. Vous dormez encore? Vous êtes encore couché dans le lit là? Là. Tu dors? Un œil ouvert, l'autre comme ça là. La première chose... Jeûne. Se priver de nourriture d'une certaine heure à une certaine heure. 6-18. Il y a des périodes de ma vie où je n'arrivais pas à jeûner. Il y a des personnes avec lesquelles j'étais qui m'affaiblissaient spirituellement de telle façon que tu lui dis que tu jeûnes. C'est le jour-là qui vient tout te, il vient seulement que te toucher toute la journée. Tu lui dis que tu jeûnes. Non, c'est le jour-là qui va venir manger devant toi n'importe comment. Tu avais le genre de mec, la mamie. Fuis, que Dieu, tu as fui, tu as compris. Le jeûne, c'est un acte où tu te prives de quelque chose que tu aimes. Tu peux jeûner et te priver de TikTok si tu sais que tu accrois à TikTok. J'oublie mes rêves. J'oublie mes rêves. À 4 heures, tu es là, il y a le pipi dans ton ventre. On dit, lève-toi, tu peux pisser, tu fais le bain de pipi. La bouche est ouverte, c'est à 7 heures que tu te rappelles. Tu as la salive est sur ton oreille, tu te réveilles. On m'a même dit quoi dans la nuit? C'est pour ça qu'on ne peut pas vous utiliser. Les messages, les lignes de communication, c'est comme s'il y a le radar. Il y a l'antenne qui émet. On commence à communiquer à partir de 3 heures. Si à 6 heures, tu n'as pas encore reçu ton message, tant mieux pour toi. Dors. Oh, non. Dors. Mets ta grosse tête. Si ça bug, vous partez sur ma page Facebook, The Gift Digger Academy. Partez. Si vous ne partez pas, tant mieux pour vous. Je ne force personne. Vous voyez que depuis ça, télécharger les vidéos sur TikTok les jours, c'est là, c'est la bagarre, c'est le combat. Jeûne. Numéro 2, pose la question à tes guides. Quelle est ma mission? Ouvre ta bouche, tu le dis. Numéro 3, fais ton bain de sel tous les jours. Les gens qui se lavent une fois par mois, une fois par an, ils veulent venir, ils veulent me parler là. Tu es bête. On se lave physiquement avec le savon. Le lavage spirituel, ça commence avec le sel.
Il y en a parmi vous que c'est le jour où on t'a fait un bang spirituel que t'es. Toi, tu as senti comment ton corps, depuis que tu es né, ça 45 ans qu'on te touche avec une eau bénite comme ça, là, tu dis que yeah. Donc c'est aujourd'hui, donc ça existait. J'ai rencontré un monsieur comme ça hier. Il me dit qu'il a eu tous les challenges. Sa vie n'allait pas. On l'a amené chez des. Au Bénin, vous savez qu'il y a les gens du voodoo qui soignent par le voodoo. Il y a ceux qui soignent par la puissance de Jésus-Christ, Vierge Marie. On l'a amené là-bas. Oh là là. Dans une église. On l'a lavé. Quand il dit que quand il est sorti de là, il a vu comment son esprit même a commencé à s'ouvrir. Ces choses ont commencé à marcher. 42, 45 ans. Numéro 3 ou 4, choisissez les libations. Prenez le jus. Écoutez, vous n'êtes pas seul. Là, comme je vous parle, là, mes pieds sont sur les herbes. Voilà mes pieds au sol. Voilà mes pieds au sol. Regardez. Voilà ça. C'est TikTok qui ne peut pas voir. Connecte-toi. Réveille-toi le matin. Mets ton alarme. Avec ta grosse tête, comme tu aimes dormir là. Descends, tu pars dans le parc. On me dit que je suis à New York. Je suis à New York, il n'y a pas les herbes. Hein? Mets tes pieds au sol. Bouche les arbres. Les arbres que vous voyez là, ils sont connectés comme tout. Numéro 5. Fais des dons dans les orphelinats. On vous a appris à être trop chiche. Vous êtes trop chiche. Vos pères spirituels ne vous disent. Vous êtes trop chiche. Bonne âme tachia. Trop. Vous avez dit que le 1er avril, on va aller distribuer la nourriture dans les villes respectives. J'ai dit que même si tu es à Paris, tu me dis. Même si tu es à Paris, tu me dis. Tu vas aller dans les rues de Paris distribuer la nourriture. Combien d'entre vous, vous ne vous êtes pas gênés? Est-ce que vous pensez que ça va... La spiritualité, hein? Activer sa partie spirituelle, ce n'est pas seulement pour dire que aidez-moi, c'est pour moi. Ma vie spirituelle a commencé quand j'ai dit je veux aider les gens. Et c'est que ça partie si vous n'aimez pas. Comment ça intercéder pour les gens? Ah, débloquer le problème de la personne sinon. Vous croyez que mon pouvoir augmente comment? Vous me voyez, je peux laisser ça, je prends les arachides et je donne à quelqu'un. La personne mange pas, elle conçoit son enfant. Vous pensez que ça a commencé comment? Hein? Ça fait, c'est depuis 2014, ça fait 10 ans aujourd'hui. Ça fait 10 ans que j'ai commencé à obéir ce qu'on me dit. Toi, tu as ça. Je vais d'abord confirmer moi. Envoyer 5 camions rouges. Ils viennent garer devant ma porte, ils encerclent ma maison. Oui, ils font la danse des Bafia. C'est là que je vais savoir que je suis appelé. Attendez. Oh, piop. Attends bien. Hein. Parlez-leur. Soyez maintenant attentifs. Ils vont vous parler pas. Quand tu t'assois le matin dans les herbes, là, si tu as la mer, va à la mer, tu mets tes pieds dans l'eau. Tu dois mettre un temps précis chaque jour que tu dis que c'est mon moment d'écouter. Et c'est généralement quand je finis mon moment de personnel, c'est là que je vous fais généralement les directs. Et ce que tu écoutes, dans la journée, fais au moins une chose qui concerne ce que tu écoutes le matin. Vous êtes guidé par vos maris, vous êtes guidé par votre boulot, vous êtes guidé par l'église, mais votre esprit ne peut pas vous guider. Ah ben, je vous dis. Je n'ai jamais dit que l'esprit m'a dit de... Je sens que les ancêtres me demandent de... Je ne sais pas, mais je crois qu'il faut que je... Non, tu n'as pas d'initiative personnelle. Donc ma page Facebook, c'est The Gift Digger Academy. T-H-E-G-I-F-T. The Gift Digger. D-I-G-G-E-R. Academy, avec Y à la fin.
crois qu'elle veut peut-être changer le nom de Facebook. Je vais mettre Reine Lumière. Comme ça, c'est facile pour vous. Mais bon, celui qui va me trouver, va me trouver. Par reçu, c'est votre problème. Et en dernier, numéro 6, payez votre dîme. Tu ne peux pas devenir spirituel sans payer ta dîme. Impossible, les chiches. Ce n'est pas ce que tu attendais, n'est-ce pas? Aïe, aïe, aïe. La spiritualité, mon frère. Hugo, lis-le. Je ne me rappelle pas de mes rêves. Qu'est-ce que je fais? Réveillez-vous tôt. Parce que quand vous parlez dans le rêve, vous dormez. Parfois dans le rêve, il y a une voix qui te dit que note ça. Les rêves contiennent des messages. On ne se rappelle pas seulement de ses rêves pour dire que... Et la majorité d'entre vous, quand tu te rappelles de tes rêves d'hier, là, tu as fait quoi avec? Rien. Tu as fait quoi avec? La dernière fois où tu t'es rappelé ton rêve, tu as fait quoi avec? Tu en as fait quoi? Qu'en as-tu fait? Pourquoi tu veux encore qu'il te montre l'autre signe? Vous aussi. Vous pensez que les ancêtres là sont bêtes? On passe le temps à te montrer ce manque là. Tu te réveilles, tu dis, ah, je suis fort. Hein. Hey, hey. Je suis forte. J'ai vu ça, 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 ça. Après, tu vas te coucher, tu dors. Je viens de dire comment faire pour évoluer dans la spiritualité. Je suis en train de télécharger la vidéo. Il faut attendre quand ça va se télécharger, tu regardes. Si tu ne veux pas regarder, il n'y a pas de souci non plus. Vous aimez que tout soit préparé, on vient vous donner dans la cuillère. Vous aimez qu'on prépare tout, on vient de donner dans la cuillère. On prime, on fait le smoothie. Hein? Le smoothie, on vient, on met dans ta bouche, tu avales. Voilà les gens, tu viens pleurer dans mon direct. Hey, je vais te bloquer. Que tu commences à avoir peur. Tu as peur avec qui? Je continue mon message que vous donnez. Si je veux lire seulement vos commentaires là. Il y a des personnes qui vous ont déclaré la guerre déjà depuis. Je vois 10 jours. Des personnes qui vous ont ouvertement déclaré la guerre. Et c'est des personnes avec lesquelles ce n'était même pas vraiment ça. Donc tu vois quelqu'un que tu tolères, quelqu'un de ta famille, peut-être que tu tolérais passivement parce que tu n'avais pas le courage de dire arrêtons. Donc tu tolérais. Et puis un beau jour, c'est comme si la personne a seulement exagéré. C'est devenu seulement trop, trop. Tu as dit que c'est bon. Tu as dit que c'est bon, mais tu ne lui as pas dit. Et là, la personne t'attaque. Tu
comme la personne t'a attaqué là. C'était une guerre qui est même lancée depuis avant même ta mère. Vous êtes en train de prendre beaucoup de combats de vos parents. Et hier, on me donnait ce message-ci. Beaucoup de combats de vos parents, vous qui les prenez, vos parents qui sont morts là, ils sont en train de vous aider. Donc, beaucoup de parents sont morts et ils sont en train de former une brigade ou bien une armée pour vous défendre. Bonjour Aristide. Bonjour TikTok. Bienvenue. Ça bug. Beaucoup de vos ancêtres sont morts. Ta mère, ton père, ton grand-père. Tu étais peut-être proche de ta grand-mère, c'est elle qui t'a élevé. Et dans l'au-delà, dans l'invisible, elle est devenue plus puissante que tu ne connaissais ou que tu ne crois. Et elle a donc rassemblé, formé une armée. Et ils sont en train de t'aider. Donc dans cette dimension où tu es, donc même si tu as un conflit avec un membre de ta famille, sache que c'est toi que les ancêtres supportent. Sache que c'est toi que les ancêtres supportent. Tu as leur bénédiction. Oyo, non. Tu as leur bénédiction. Donc, ne te dérange pas. Ils sont derrière toi. J'ai fait une canalisation d'énergie pour un monsieur là. C'est une sorte de consultation un peu profonde. Il parle à ses ancêtres, tout cela. Et pendant la canalisation d'énergie, sa grand-mère, je voyais beaucoup une maman, une personne avec les cheveux blancs. Généralement, dans le spirituel, quand on te montre un grand-père, une grand-mère, parfois ils apparaissent jeunes, parfois ils viennent vraiment avec les cheveux blancs pour montrer qu'ils sont de vie. Ils sont vieux, quoi. Vieux par rapport à cette personne qui parle. Si c'est ton arrière-grand-mère, peut-être, ouais. Même si elle est morte jeune. Donc, je voyais donc sa grand-mère. Et elle était devant, au devant d'une armée. Et lui, je ne sais pas, mais je vois, il dit, ah oui, c'est ma grand-mère, ouais, ouais. Et elle avait beaucoup d'amour. Donc, dans la vision, il était comme un bébé dans ses bras. Et là, il me dit, il a grandi avec sa grand-mère. C'est elle qui s'est... Il n'a pas grandi avec sa mère. Sa mère l'a accouché, elle a laissé sa mère à elle. Et elle est partie en bain. Donc, c'est sa grand-mère qui était sa mère. Et là, elle est morte. C'était la seule dans la famille qui le défendait. Pierre Précieuse, je ne suis pas là pour interpréter tes rêves. Donc, et c'est là que l'armée qui était derrière, en fait, elle lui disait, c'est quelqu'un que quand elle est morte, quelques années plus tard, toute sa famille s'est liguée contre lui. Tu vois, quand tu commences à réussir là, et que certains membres de votre famille, là, ils ne veulent pas. Donc, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils vont commencer à monter les autres contre vous. Donc, vous aurez potentiellement beaucoup de membres. Dans vraiment une tante que tu as toujours respectée, elle se lève, elle te déteste pour rien. Donc, ça sera fréquent. Et c'est comme s'ils ne vont pas vous laisser avoir votre paix. It's like, why don't you let me have my peace? Come on. Let me have my peace. Vos ancêtres sont derrière vous. Et ça, c'est carrément concrètement. Et beaucoup d'entre vous, chez vous, il n'y a pas la photo de vos ancêtres. Voilà, ça c'est aussi un truc qu'on me disait pour lui. Cherchez la photo, vous mettez une fois par semaine, selon les idées ou l'envie. Vous mettez une bougie, vous allumez une bougie. Une fois tous les 2, 3, 4, 6 mois, vous demandez une messe d'action de grâce pour le repos de leur âme.
Même vos bébés qui sont partis. Ouais, vous demandez une messe d'action de grâce. Je vous demande quand même, mais vous avez un enfant ensemble, l'enfant meurt. Le père ou la mère oublie l'enfant là. Et comme c'est tous les mères qui se rappellent des enfants. Les gens ne savent pas la puissance qui se trouve dans leurs enfants. Partis. Ils sont très puissants. Very powerful. Quand je parle comme ça, je peux sentir carrément leur énergie. C'est pas parce qu'il n'a pas grandi, il n'a pas été avec toi que... Non. Et c'est pas parce qu'il n'a pas vécu 60 ans qu'il n'a pas de puissance. Il peut avoir vécu dans ton ventre 6 mois, 2 semaines, 9 mois. Il a respiré l'air pendant 4 heures de temps. Ça ne veut pas dire que son esprit est faible. Vous avez suivi. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Oh là là. Vous ne connaissez pas comment le spirituel fonctionne. Le monde spirituel, ce n'est pas ce qu'on nous a dit. Et beaucoup d'entre vous, on vous fait pleurer beaucoup quand vous perdez quelqu'un. Tu dois te réjouir. Faites le deuil, vous vous réjouissez. Vous mettez le kior, vous dansez la danse, la chanson du kior là. Oui. C'est une réjouissance. Je sais que c'est un peu... C'est difficile à comprendre pour certains. Je sais que c'est difficile à comprendre pour certains, mais... Ce que je vous dis là, les personnes spirituelles savent. Vous savez de quoi je parle. Ouais. Si vous croyez que la personne n'a pas de puissance et qu'il est parti pour toujours, même s'il a de la puissance et que c'est disponible, vous ne pouvez pas l'utiliser. C'est comme si c'est un compte bancaire qui est fourni. Tu as la carte, tu as le PIN, mais tu ne sais pas qu'il y a l'argent dedans. Oh, désolé, vous avez perdu votre enfant. Oh, désolé, madame. Oh, mais non, non, non. Ah, mais non, ne vous dérangez pas. Ne vous dérangez pas. Mon fils est parti, ma fille est partie. Oh, non. Et c'est une puissance en plus. Si tu dis ça, les gens vont dire que tu es folle. N'est-ce pas? Le monde des esprits... Un jour, je méditais. J'étais à Reims, dans les arbres. Assis un moustique sur mon pied. Moustique. Je me suis dit que comment? Mon sang est amer. My blood is bitter. My blood be like bitter leaf. Vous devez avoir la capacité à vous automotiver. Donc j'étais dans les bois. Et là, vous savez qu'il y a des petits
y a des petits insectes. Ils sont blancs. Tout petits comme ça. Ils volent. Donc je vois un. Il vient se poser sur moi. Dès que je vais le toucher, il bouge. Je me dis, mais comment un être aussi petit a le cerveau pour réfléchir? Est-ce que, comment? Et là, ils me disent que, mes guides, on ne réfléchit pas avec le cerveau. Moi-même, la pensée est tellement bête que ça me fait rire. Mais bon, je vous la dis quand même. Ils disent qu'on ne réfléchit pas avec le cerveau. OK? Et que le spirituel est différent de ce que nous pensons. L'insecte que tu vois ou bien l'animal que tu vois, il est gros. Dans le spirituel, il peut avoir une petite puissance. Et l'animal que tu vois ici, là, il est petit jusqu'à tu ne le vois même pas. C'est lui là que tu peux voir. C'est là que dans le spirituel, c'est un grand esprit qui sait... qui a pris la forme physique d'un petit animal, tout petit. Ils ont pris l'analogie de cet insecte blanc-là. L'insecte blanc-là, parfois tu peux le tuer, même tu crois que c'est tu vois, quand tu, les cendres, quand tu brûles, tu fais un feu. Généralement, il y a des petites brindilles qui s'élèvent dans les cieux, et après ça tombe, ça retombe, la cendre. Donc l'insecte-là, il est aussi petit que la cendre. Et ne te base pas, ce n'est pas parce que dans le monde physique, tu touches 50 000, que dans le monde spirituel, tu es une petite personne. Et c'est sur ça que beaucoup d'entre vous doivent se baser pour demander qu'on convertisse leur puissance spirituelle en argent physique. C'est comme ça qu'elle fait pour devenir riche. C'est comme ça. Ok, si vous dites que je suis riche, je veux. Si vous dites que je suis riche, donnez-moi. Je veux plus les prophéties qu'on dit toujours que tu es riche, tu seras riche. Convertissez, c'est comme quand tu arrives dans un pays, tu as la monnaie de ton pays d'origine. Même si tu as 5 milliards de ce pays d'origine, tant que tu ne convertis pas dans la monnaie locale, tu ne peux avoir droit à rien du tout. Mathilde, bonjour. Non, Mihale, Mihala. Pourquoi ton nom est divisé pour moi comme ça là? Bonsoir, bonjour, la playa. Tu es dans un pays, tu as beaucoup d'argent, beaucoup de puissance. Tu es un roi. Bonjour, Mihala. Quand tu viens dans un autre pays, à la douane là, demande qu'on te donne ton argent. Oh yo, les travailleurs d'en face ont déjà commencé. Elles ont commencé le travail à 7h30. Où est-ce qu'ils sont en train de construire un immeuble ici en face. Les camions toute la journée sur nous. Mon. Quel gars de chantier commence à travailler à 7h30?
C'est quoi ce pays où les gens sont à l'heure au travail là? C'est pour ça que souvent vous rêvez, vous vous voyez avec quelque chose. Mais quand vous vous voyez dans la réalité, si. Quand vous vous réveillez, vous êtes pauvre en fait. Vous savez de quoi je parle. Tu rêves qu'on t'a donné le sac d'argent. Oui, on m'a donné l'argent dans le rêve. C'est où alors? C'est où? Je vois que vous n'avez pas. Beaucoup de personnes ont liké ma vidéo, mais vous n'avez pas partagé ma vidéo. Facebook, vous n'avez pas partagé ma vidéo. Pourquoi? Vous avez quand même suivi le résumé de ce qu'il dit, non? Tu as retenu quoi de mon live? Parce que je dois partir, il faut que je consulte un peu les gens tôt ce matin. Tu as retenu quoi de mon direct? J'ai beaucoup de choses qui passent, beaucoup. C'est comme une autoroute, plein de voitures. Il faut que je voie ce que je dois vous dire.